Yo 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 les gars, c'est Ryze et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec une master game. J'ai explosé le lobby avec plus de 30 kills avec mon combo ultime. Et bien sûr il s'agit de la Vaznev et de la Iso, je te mets la classe à la fin. En tout cas si t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un commentaire et à mettre un pouce bleu. Et sur ce, bonne vidéo. Ennemi dans la zone des opérations. Attends, y'a pas un noublard qui est venu là? Y'a pas un noob qui est venu? Ah si! Ah si quand même! Hop là, esquive, esquive! Merci Sabri! Merci pour follow! Wow, les bugs là! Et merci à nouveau pour les débits. Merci Opi. Je sais pas comment je dois t'appeler BG. Opi, comment je t'appelle? Dis-moi et je m'en rappellerai pour la prochaine fois. Pam 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 pam. Allez lobby. Hop là. Il y a un gars qui est en train de wait sur mon load. Ça va gros? Ouais. Je sais pas sur qui tirer de base. Qu'est-ce qu'on fait? Oh, on a fini avec ça. Non, on n'est pas encore assez chaud pour taper directement du MK2. Oh frère, vraiment? Vraiment là? Est-ce qu'on peut y aller sur ce toit? Je suis pas sûr en vrai qu'on puisse, hein. Oh. Ok, tout va bien. It's all good, guys. Oh merde! Oh ça passe. Oh ça passe. Ça va gros? Tu faisais quoi ici? Exactement. Tu te planquais mon grand. Merci skater. Oh putain. On reload, tranquille, on a le temps, on a le temps, on a le temps. Merci skater pour le follow. Drone ennemi juste au-dessus. Salut les gars. Je peux en profiter pour éventuellement voilà prendre le kill. Hop hop, non non, tu te tournes pas vers moi, tu vas au ciel et c'est tout ce qui va se passer. Alors il y a déjà lui. Ensuite, on a un mec là-dedans. On est entré dans le réseau ennemi. Voilà. Ensuite, on vient rafler tout le monde ici. Tatio Pio, merci BG pour les beats, merci mon ref. T'as failli me niquer hein, je m'attendais pas du tout à ce que tu reviennes sur moi toi. Merci les gars pour vos compliments les gars. Oh tous les matins les gars vous me mettez sur un piédestal les gars, excusez-moi. J'allais dire je suis président, oh là surtout pas. Grosse erreur, sûrement pas, non non. Sûrement pas. Lobby. Lobby monsieur. Oh putain. Facile, esquive facile, est-ce qu'il va venir vers moi, est-ce qu'il m'a suivi? Non. Où est cet homme? Je suis derrière toi en fait. Tu m'attendais ici? Tu m'attendais à cette porte là? Et non, moi je suis revenu en arrière, hein, tout simplement, hein. Finalement c'est... Voilà quoi. Faut pas souffre, ouais. Ah ouais. Salut Atomic, ça va BG? Je suis pas ouf, ça, je suis pas ouf. Nul, chérise. Nul. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Shop, pas shop. Pas de shop. Oh. Ok, buddy. Ah, juste là? Ah oui, d'accord, ok. Attends, j'arrive. Je me plaque en 2-2. Oh, pas bonne ligne. Drone de brouillage ennemi juste au-dessus.
Ok. Il fallait juste choper la bonne ligne et le bon timing pour le lui casser la bouche à celui-ci. Mais il y avait du shoot. C'était intéressant. C'était intéressant pour le joueur. Lobby. T'aurais dû faire deux émotes, une lobby et une autre Noublard. On aurait pu faire le combo. Je vais le faire, gros. Dans l'idée, je voulais le faire. Je savais pas. De toute façon, Noublard, ça rentrera jamais dans une émote. Ou alors, ce sera minuscule, ça se verra pas. Et du coup, c'est ce que je comptais faire, ouais. Oh, oh, ça va des balles là, t'en veux un peu plus? Je vais clairement faire ça, je vais en faire sauter une qu'on n'utilise pas et je vais mettre ça à la place, ouais. Ouais, ouais. Ah. Prendre le kill avant qu'il meure, merci. Qui c'est qui tirait dessus, dis-moi tout. Qui t'a tiré dessus? Un gars là? On a vu qu'il y avait un mec ici, je crois bien. Oh, on a vu le sniper là-bas, ouais. Je pense que le sniper one shot pas ou pas. Est-ce que tu vas réussir à m'avoir? Est-ce que tu vas réussir à me la mettre cette balle? Il faudrait se décider à un moment donné à la tirer. Allez, esquive. Oh, raté. Ouais, ouais, ouais. Allez, encore. Ouais, tu peux le faire peut-être. Allez, ouais. Sois fort. Prends tes rêves. Ennemi dans la zone des opérations. Prends tes rêves, mon ref. Allez, c'est le moment de plonger. It's time to dolphin in the real world, bitch. Ok. Ok. Mais ouais, du coup, ouais, pour les mods, je vais clairement faire ça. Encore? Je viens d'entendre un parachute là. Ah, il est là. Quoi? Alors attends, parce que là. Faites attention. Ouh là là. Ah voilà. Toi, c'est mon cube de base. Attends, je comprends pas, je vois sa lueur mais il est soldat ennemi en approche. Ok, d'accord. Vous avez vu qu'il y avait un glitch d'invisibilité, pas d'invincibilité, mais du coup si, c'est un bug d'invisibilité les gars. Vous avez vu ou pas? Allez mon ref. Time to die. Je vais essayer d'aller choper un drone là-bas en vrai. Salut Guardian, comment ça va BG? Les gars, tous ceux qui valent mes classes, faut passer sur Twitch. Sur Twitch, vous avez 100% de mes classes, les gars. Tout est là-bas. Oh, je fais ça, mais ça sert à chi, mais bon. Je fais quand même. On demande un survol de reconnaissance. Bien sûr. On arrive sur zone. On a vu le gars qui était en face là-bas. On va prendre une petite hauteur en vrai en 2-2. Ok, hey, il m'a mis cher hein. Il m'a mis cher. Ok, on a deux personnes encore sur le côté. Sur le bâtiment là-haut là. Même trois. Ok, on a un gars dans les montagnes. Ok, on va attendre un tout petit peu avant de mettre la musique du top 1. Donc, il faut que j'aille nettoyer le bat là-haut. Allez, hop. Nickel, musique du top 1 les gars, on se fait plaisir. Merci Jifu. Jifus, t'appelles comme ça?
Merci pour follow BG. Ah frère, faut vraiment, faut pas hésiter à crever hein. Ok, quoi qu'il en soit, on va aller taper la 30. Oui, j'y fus. Ok, j'ai eu un doute. Bienvenue à toi BG, merci pour follow. Bienvenue à vous les gars. Mute 86, merci les refs. Bienvenue, bienvenue. On est à l'aube de taper la 30 killas les gars. On va aller la chercher et tuer cet homme en prenant le kill ici, puis celui-là. Ah non, on n'a pas pris le premier. Ok. Ok. Autoréa, casque en or, masque en or. On est assez bien. Il nous reste deux personnes dans le lobby. Deux personnes, mesdames et messieurs. Où sont-ils? Que font-ils? Je pense qu'il y a quelqu'un, au moins une personne en dessous. Je vais rester là, normalement je suis en zone. Et ils vont devoir venir vers moi. Je sais pas s'il y a un mec en dessous en vrai, je pense que oui mais... Je remonte. J'aurais dû rester sur le toit pour capter ce qui allait arriver. Erreur. Erreur de Riz. Me dites pas que vous êtes tous les deux dans le... Vous perdez du terrain. Faut que je me méfie parce que le couteau de lancer est intention. Ok. Ok, on a vu les traces en bas. En vrai, il est rentré, non? J'ai pas sauté, mais il est rentré le 3-6, non? En vrai de vrai. Alors, pour la première arme, on va commencer par la ISO. Comme vous avez pu voir dans la vidéo, elle est extrêmement forte. Elle a aucun recul. Et elle fait d'énormes dégâts à longue distance. Et donc pour les accessoires, on va mettre en bouche le Harbinger D20 avec en ajustement le recul faible et en ajustement en bas la vitesse des balles. Ensuite, le canon, on va mettre le Fielder T50 en ajustement stabilité de recul au max et portée des dégâts au max. Ensuite, l'Afta Creeper 56 en poignée avant avec en ajustement la visée accélérée au max et le contrôle de l'oscillation du viseur au max. En viseur, on va mettre le MOPV4 comme on met sur tous les fusils d'assaut et les autres armes à longue distance. Et en ajustement, on va mettre la visée accélérée au max et le position de l'œil de loin. Et enfin pour finir, le dernier accessoire, le chargeur de 45 balles, évidemment pour enchaîner un maximum de gains. Pour la Vaznev, c'est une classe qu'on retrouve assez souvent un petit peu partout. C'est une classique mais elle fait largement le taf comme ça. Et donc il va falloir mettre le compensateur bruine cubique et en ajustement la visée accélérée au max et le contrôle du recul au max. En laser, on met le FSS OLEV et en ajustement on met la vitesse de transition de sprint au tir au max et la visée accélérée au max. Ensuite, la Cross Markiv R7, on met la visée accélérée au max et la vitesse de marche en visant au max. Ensuite, on met la poignée Troutac, en ajustement on met la visée accélérée à fond et la vitesse de transition du sprint au tir au max. Et enfin pour finir, encore une fois, le chargeur de 45 balles pour enchaîner un maximum de loubars.